Cette fois, il va falloir être extrêmement discret. Pas de problème pour moi, je sais passer inaperçu. Par contre, lui, je sais pas. Non mais faut pas vous en faire. Au pire, on s'enfuit en courant. T'es comme moi. T'es un stylo. T'as pas de jambes. Ah oui, c'est vrai. Et puis, faut éviter d'alerter tous les gardes, je vous rappelle. Mais donc, je dis quoi alors? Bah, je sais pas. Ça donne quoi quand tu veux t'enfuir? C'est extrêmement ridicule. Regarde-moi. C'est incroyable comment tu fais ça? Bah, disons qu'on a chacun notre style pour s'enfuir en se dandinant. Sauf que moi, je me dandine pas. C'est plus comme si je glissais avec allégresse. Bah, ça tombe bien, on glisse mieux avec de la graisse. Avec de la graisse. Parce qu'avec allégresse. C'est incroyable comment tu fais ça? Au fait, pourquoi on fait semblant de crier? Oui, c'est quoi cette gueule? Oh pardon. C'est incompréhensible, ils nous ont repérés. On dirait qu'ils sont encore en train de nous chercher. On n'arrivera jamais à passer tous ces gardes. Je sentais que cette mission était périlleuse. Ouais, va falloir faire gaffe où on marche. Mmh. Je veux dire là où on se dandine. Bah oui, comme la mission est... pierreuse. Oh. Pierreuse. Périlleuse. Et c'est vraiment à lui que vous avez filé les pouvoirs ultimes de l'élu? Non mais vous avez pas compris! C'est parce que les cailloux ça peut piquer quand c'est pointu et donc c'est périlleux et en même temps c'est pierreux! Et quand on a mis un petit peu du sien, on comprend la blague! Ultime pouvoir... Ces pouvoirs se manifestent de manière différente chez chacun. La légende raconte que lorsque le mal reviendra sous la forme d'un être machiavélique et immonde, un héros ou une héroïne se présentera pour recevoir les pouvoirs qui lui permettront de délivrer le monde des forces des ténèbres avec l'aide de compagnons en tout genre. À l'aide de la carotte magique de la prophétie des sept chevaux nains. Et bah alors, qu'est-ce qui se passe? Bah c'est le caméraman qui vient de se viander. Mais pourquoi il s'est effondré? Bah je crois qu'il s'est simplement endormi. Mais il se serait pris une fléchette de sédatif. Y a pas de fléchette, c'est votre histoire le sédatif. C'est insultant, la prophétie est sacrée. Ah bah oui, elle est sacrément puissante vu son pouvoir soporifique. Mais je vais te casser là. Tu vois, il est cool le nouveau clip de propagande. Bah t'as pas l'impression qu'il manque un truc? Ils sont complètement oubliés de parler du super stylo rouge et du risque de se faire exploser la tronche à cause de ses pouvoirs super puissants et qu'en contrepartie du risque éventuel de subir un tel sort, il est possible d'obtenir un lot de consolation réclamé tous les samedis soirs à 17h42 auprès d'un mec qui s'appelle Gilbert qui habite sous un pont et qui aimerait avoir des nouvelles de sa tante Ophélia qui a malheureusement subi une opération des hémorroïdes très récemment. Ah oui, t'as vu, c'est incroyable. Bougez-vous le cul, on a repéré stylo rouge! Non mais là, c'est stop. Attends, tu te transformes en super guerrier ou alors on dirait que t'as envie de faire caca? Je crois que j'ai fait trop de bruit en m'énervant. Non, on a été parfaitement discret. Ils doivent avoir un appareil pour nous repérer. Ou alors, un radar. Ça doit être l'objet secret du mal qu'on est venu récupérer. Hey, stylo rouge, t'as pas un pouvoir pour devenir invisible ou un truc du genre? Non. Par contre, si je me couvre avec ma cape, je peux me faire passer pour un Kouglof. Comme ça. Mais malgré ce camouflage infaillible, je risque quand même d'être blessé. Ah donc t'es pas non plus invincible? Mais non, je t'ai déjà répondu. Mis à part une fois quelqu'un qui m'a pris pour une part de pizza. Sinon, j'ai qu'un seul camouflage. Donc tu galères à distinguer la différence entre invisible et invincible, mais par contre, t'es capable de te faire remarquer avec des calembours nuls prononcés avec insistance? Ça me trouve le cul, ça. Faut dire que s'il était invincible, il serait rentré, il pète tout et on a gagné. Et invisible, excepté durant les assemblées, les élus n'ont jamais pu maîtriser le pouvoir d'invisibilité. En effet, la prophétie raconte que lorsque les vieux péteux, ils vont sortir de leur trou, ils vont voir de quel bois on chauffe. Attendez, mais les gardes là, ils sont de quel niveau? Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Il me semble pas que ce soit des gros bifs, mais plutôt des simples sbires, non? Je vais laisser répondre Vert. Moi, je vais élaborer un plan. Le journal de mission précise que c'est pas une quête de groupe normalement. Donc on doit être sur du bon troufion de base. Alors c'est bon, suivez-moi. Hey, mais Goma, attendez! Hey, attendez, Goma! Eh ben dites donc, ils savent vraiment pas viser ces nazes. Non, en fait, c'est parce qu'on est des personnages très proches du héros principal. J'ai lu ça dans un manuel chinois mystérieux quelconque, tome 2. Alors là, je dégaine mon arme, mais je peux aussi sortir mon chêne. Et c'est une espèce pédonculée.
Bon, par contre, il va falloir faire quelque chose où ça va durer plusieurs épisodes. Ils peuvent pas nous toucher, mais en contrepartie, ils ont des munitions illimitées. C'est bon, on est invincible. Ah, pas sûr. Ça reste impossible de nous viser quand on est des cibles invisibles. Faut voir. Il est où, Super Stylo Rouge? Il est là, tirez, tirez! Je crois qu'une balle m'a troué le cul. Mais c'est impossible. Sauf si... Sauf si un méchant important est là. Oui, alors lui, c'est plus niveau intermédiaire. Pshhh. Vous pourrez remercier Monsieur Stylo Rouge qui nous a permis de vous repérer grâce à ceci. Périlleuse. Je crois que c'est l'objet secret du mal qu'on est venu chercher. Attendez, mais l'objet secret du mal, c'est une enceinte Bluetooth rétro? C'est le DSNPAI, le détecteur de calembours nuls prononcé avec insistance. Avec ça, je peux repérer Super Stylo Rouge très rapidement. J'en ai marre d'avoir toujours raison. Ah, là, le regard est bon. Par contre, faudrait dire une petite punchline de fin. Le mal, c'est vraiment mal. Sauf s'il nous invite à... Bon alors les gars, je suis désolé, mais j'ai pas de l'eau à vous donner. Bah oui, vous avez aucune égratignure, vous avez juste eu peur. Et sinon, vous avez des nouvelles d'Ophélia?